avez vu donc deux intervenants magnifiques qui sont à côté de moi, que je vous présente si vous ne les connaissiez pas. Franck Tapiro et Henri Kaufmann. Pour moi, c'est une image de tir à la corde. D'un côté, il y a la marque, de l'autre côté, il y a les concurrents. Le client est au milieu. Donc, si la promotion des concurrents est intéressante, alléchante, eh bien, la marque risque de perdre son client. Donc, il faut en permanence regarder le pouvoir d'attraction de la marque concurrente vis-à-vis de sa propre marque. Bon, quand on a cette image dans la tête, ça aide un peu à, disons, à regarder ce qui va et ce qui ne va pas dans une entreprise. L'intérêt, c'est de provoquer une émotion. Une émotion qui provoque un souvenir. Un souvenir qui est super positif. Et ce qui est curieux, c'est que pendant des années, les publicitaires ont essayé de justifier leur métier en racontant des choses extrêmement rationnelles, pour rassurer avant de bousculer, inventer des études complètement bidons, désolé pour ceux qui traînent dans les études, complètement bidons avec des déclaratifs, avec des gens conditionnés pendant 2 heures à dire évidemment le bien d'une marque qui vous invite avec un peu d'argent, en vous invitant à déjeuner, etc. Et en fait, on raconte tellement de bêtises sur ce métier-là qui n'est pourtant fait que, et c'est toute l'importance de créer de l'émotion, je tenais à rappeler 2-3 choses. C'est que quand on dit créer de l'émotion, c'est créer du souvenir, je vais vous le démontrer. Si je vous demande, qu'avez-vous fait le 11 janvier 2016 ? Qui est capable de me répondre en une seconde ? Pas alors. Maintenant, si je vous demande à chacun d'entre vous, qu'avez-vous fait le 11 septembre 2001 ? Levez la main. C'est-à-dire qu'en une seconde, d'ailleurs je suis persuadé que si on faisait le tour, chacun me raconterait presque à la minute près ce que vous avez fait ce jour-là. Bien entendu que le souvenir est créé par la dose d'émotion qu'un contenu, quel qu'il soit, qu'une expérience provoque. Discuter de plein de choses avec de plein de souvenirs, d'émotions qui viennent de se passer grâce à ces messieurs.